audience des affaires pénales du jeudi 26 octobre 2023 est déclarée ouverte. Veuillez appeler pour nous l'affaire qui est inscrite sur le hall. Monsieur Doublic, vous avez la parole. Il y a eu plus de 300 détenus qui se sont évadés ce jour-là. Monsieur le Président et distingué juge de la Cour, il faut souligner encore pour vous que cette évasion est non seulement réputée comme la plus grande évasion de la région caraïbéenne, mais elle avait aussi soulevé des doutes sur le système de sécurité des prisons en Haïti. À la suite de cette évasion, Monsieur le Président et distingué juge de la Cour, une enquête préliminaire a été ouverte et plusieurs personnes ont été auditionnées dans le cadre de cette affaire, dont les inculpés ici présents. Et par réquisitoire d'informer du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, en date du 29 septembre 2014, le dossier a été déféré au cabinet d'instruction pour les suites de droit. À la requête du commissaire du gouvernement près la Cour d'appel de Port-au-Prince, M. Claude Jean, identifié au numéro de CDR, propriétaire de numéro de domicile à Port-au-Prince, représentant du ministère public agissant pour la vindicte publique. J'ai Chélomite Dorville, huissier immatriculé au greffe de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Il demeurant à domicile identifié au numéro. Soucié signifié laisser copie de la citation à connaître, à comparaître. Premièrement, au sieur Saint-On Métellus, demeurant domicilié à la prison civile de la Croix des Bouquets, au 10 centre de détention, où je me suis expressément transporté ou étant et parlant, quand sa personne ainsi déclarée. Deux, au sieur Martin Brave Richardson, demeurant domicilié à la prison civile de la Croix des Bouquets, au 10 centre de détention, où je me suis expressément transporté ou étant et parlant à sa personne, ainsi déclaré. Trois, au sieur Elon Jean-Claude, demeurant et domicilié à la prison civile de la Croix des Bouquets, au 10 centre de détention, je me suis expressément transporté ou étant et parlant à sa personne qui a reçu ma copie visée, mon original. Parce que la composition, il me semble que cette composition-là est affirmée, parce que le juge Mikey n'est plus à la Cour d'appel. Est-ce qu'on veut recommencer à zéro ou bien on part avec les dernières erreurs de la procédure, c'est-à-dire la Cour maintenant va confirmer cet avant du droit pour demander au juge Guillaume de continuer à amener l'instruction et puis bon, qu'est-ce qu'on veut, ministère public? Le ministère public déjà est d'accord avec votre position puisque à notre connaissance, c'est une affaire qui est pendante ici depuis 2016. Donc c'est une affaire qui a continué. Nous en sommes conscients, puisqu'en tant que ministère public, nous ne sommes pas, comme on le comprend des bourreaux, nous sommes le représentant de la société. Une seule objection que vous pouvez avoir dans votre position, c'est la désignation du juge Dufresne, qui est une autre composition pour soumettre un rapport. Vous pouvez, à mon humble avis, désigner un juge de votre composition qui pourrait, s'il le veut, contacter le juge Dufresne pour reprendre, comme vous l'avez avancé, selon les derniers éléments. Mais vous n'avez pas, à mon humble avis, je m'en excuse déjà, l'autorité de choisir un juge d'une autre composition pour officier de votre composition. À la plus prochaine audience, soit le jeudi 9 novembre 2023. Monsieur, la Cour ferme l'audience et lève le siège. Bravo. Je dis à nous, tu es présent dans la cour d'appel.
pour que nous fournissions services professionnels, nous assister et des accusés, des inculpés alors dans le dossier de l'évasion dans la prison civile Kouadebouquea qui est arrivée le 10 août 2014. Donc, c'est une affaire qui est censée en reproduction. Dernière audience qui a gagné dans l'affaire Sali remontée à 2022. Donc, environ un an après, donc, l'affaire est devant une nouvelle composition de la Cour. Donc, je dis à débuter avec les auditions. Il y a une chance d'entendre trois parmi les six inculpés présents. Donc, vu leur avancée, la Cour suspend l'audition pour que les continuent à l'audience de quinzaine, soit le jeudi 9 novembre à venir. Donc, c'est dans le cadre que nous sommes présents dans la Cour aujourd'hui. Hein, et que, comme c'est une affaire qui est censée là depuis 9 ans, donc, nous souhaitons que nous avons gagné un bénéfice de la Cour année ça pour que au moins l'affaire ça est censée épuiser. Donc, c'est dans le cadre de ça, on est là aujourd'hui, hein, dans la Cour d'appel de Port-au-Prince. Aujourd'hui, il y a eu le temps de Brave Richardson Martin, il y a eu le temps de Saint-Thomas-Métellus et Sénèque. Nous espérons peut-être à l'audience de 15 ans que l'audition est fixée, que la Cour a arrivé à Arelli et que l'affaire ça là va finir une fois pour toutes. Parce que ça a déjà trop duré, ça fait 9 ans déjà. C'est évasion, complicité d'évasion, association de malfaiteurs, c'est un ensemble d'infractions qui sont reprochées à ces messieurs. Dernier mot, c'est ouais, que la justice triomphe et que les gens qui méritaient pour être des barreaux et que les gens qui n'avaient pas rien pour eux avec ce qui est passé dans la prison civile Kouadebouquea le 14 août 2014 là, il va retrouver liberté.